Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Véronique Roussel. Je serai votre conférencière et animatrice aujourd'hui pour la conférence sur les processus d'admission au premier cycle pour les étudiants québécois. Donc, je serai accompagnée d'Olivier Desmarais, mon collègue du service de l'admission et du recrutement. Bonjour Olivier, ça va bien? Bonjour, ça va super bien et toi, Véronique? Oui, super, merci. Merci d'être là tout le monde. Tout d'abord, je vais commencer tout de suite mon partage d'écran. Donnez-moi un petit instant. Et voilà. Donc, vous voyez bien mon écran, tout le monde. Olivier, fais-moi signe. Absolument, on va très bien. Super. Donc, bienvenue encore une fois à la conférence sur le processus d'admission pour les étudiants québécois au premier cycle. Donc, cette conférence va durer maximum 45 minutes. Vos micros et caméras sont fermés. Toutefois, je vous invite à poser vos questions sous la section Q&R ou Q&A en anglais, dans le bas de votre fenêtre. Évidemment, il sera malheureusement pas possible de répondre à toutes les questions, mais à la fin de cette présentation, je vous donnerai les endroits où vous pourrez aller poser vos dernières questions. Donc voilà, donc commençons tout de suite. Je tiens à vous aviser également que cette conférence sera disponible par rediffusion sur le site du service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal au cours de la semaine qui suit. Donc voilà, commençons tout de suite. Alors bienvenue. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va vous parler, entre autres, un peu, on va faire un survol de l'UdeM, ce qu'elle est, ce qu'elle offre. On va faire une exploration des programmes qui sont offerts à l'Université de Montréal. On va vous parler de la préparation du dossier de candidature. Donc, comment bien vous préparer? Et puis ensuite de ça, mon collègue va prendre le relais avec le dépôt de la demande, comment ça fonctionne, tout ce que c'est. Ce qui vous prend là, pour être bien prêt. Et puis, qu'est-ce qui se passe après le dépôt de la demande d'admission? Donc, allons-y tout de suite avec l'Université de Montréal, c'est quoi? En fait, l'Université de Montréal, c'est la seule université francophone à figurer parmi les 100 meilleures universités au monde. Elle est le premier complexe d'enseignement et de recherche au Québec. Donc, c'est une université là, reconnue là, pour sa recherche, donc beaucoup d'investissements financiers par rapport à ça. Elle figure dans le groupe des cinq mi meilleures universités de la langue française de la planète. Elle regroupe plus de 2 400 professeurs et chercheurs invités. Et puis, elle compte plus de 400 000 diplômés qui rayonnent partout dans le monde. Donc, comme vous voyez, ça, c'est une photo en survol du campus principal qu'on appelle du pavillon principal, pardon, qu'on appelle Roger Gaudry. Donc, c'est une petite partie du campus de l'Université de Montréal. Elle est au cœur de la grande ville de Montréal, donc sur le flanc du Mont-Royal, de la montagne du Mont-Royal. Donc, pour ceux qui sont un petit peu plus stressés de venir étudier là, dans la grande ville, on sait que c'est une transition quand même importante pour plusieurs. Donc, je tiens à vous rassurer que oui, c'est dans la grande ville, dans la grande métropole de l'Université de Montréal, mais comme vous pouvez le voir, l'UdeM, c'est comme on aime bien le dire, là, une petite ville dans une ville. Vous êtes entouré là, de beaux paysages sur la montagne. Donc, commençons tout de suite avec l'exploration des programmes. Alors, qu'est-ce que ça vous prend? Tout d'abord, je vous invite, Olivier, je t'invite aussi à aller partager ce lien-là dans le chat pour que tout le monde Absolument. y ait accès. On a conçu une page spécialement faite pour vous. Donc, c'est sur le site de l'admission, donc dans Vous êtes futur étudiant et formé au Québec. Vous y trouverez là tout le nécessaire pour bien vous accompagner dans votre démarche d'admission. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Donc, je vais prendre une petite gorgée. Alors, avant de déposer une demande d'admission, il est important de connaître notre offre de programme. En fait, parlons d'abord de diplôme. Au premier cycle, on a plusieurs types de diplômes.
On a entre autres le baccalauréat, qui généralement est un programme de 3 ans. Bon, il y a quelques exceptions, par exemple les programmes d'enseignement où ce sont des programmes de 4 ans. On a des doctorats de premier cycle. Donc, ça peut être mélangeant parce que normalement, des doctorats, ce sont des programmes qui sont offerts au cycle supérieur. Pourquoi on appelle ça un doctorat de premier cycle? C'est que ce doctorat va durer un petit peu plus longtemps. Donc, il va y avoir plus de crédits à acquérir. Et puis, à la fin de ce diplôme, bien, vous obtenez le titre de docteur également. Donc, au premier cycle, on a également des mineurs ou certificats. Les mineurs ou certificats, c'est des programmes de 1 an, généralement, qui sont, pour les mineurs, eux, en fait, les cours sont offerts 2 jours. Et les certificats, généralement, ce sont des cours offerts 2 soirs ou la fin de semaine. Donc, ça, c'est généralement l'équivalent de la première année d'un baccalauréat. Et on a des majeurs, qui est un peu l'équivalent des 2 premières années d'un baccalauréat. Les cours sont suivis 2 jours. Et donc, comme vous pouvez le voir, il est possible de combiner un certificat ou une mineure à une majeure d'une autre discipline pour en faire un bac par cumul. Donc, peu importe la discipline, si vous faites ces 3 programmes-là chez nous, il n'y a pas de problème, vous pouvez obtenir un bac par cumul. Donc, même chose, vous pouvez cumuler soit 3 certificats ou mineurs en combinaison pour avoir un bac par cumul. Alors, voilà. Donc, juste au niveau du premier cycle, comme vous voyez, bon, on offre plus de 250 programmes. Ils ne sont pas tous énumérés là-dedans, sur cette diapositive-là. C'est pour vous donner un peu une idée. Bon, les grandes familles, on va parler de la culture. Dans la culture, on peut trouver autant la communication, la musique, littérature. Au niveau de la famille, de l'humain, bon, ça peut être le droit, l'économie, la psychologie. Encore une fois, je les énumère, mais ils ne sont pas tous nommés ici. Au niveau de la matière, ça peut aller autant par de la biologie, de l'urbanisme que par des mathématiques. Au niveau de la gestion, on a de l'informatique, les relations industrielles. Et puis, au niveau du vivant, bon, ça peut être autant médecine, médecine dentaire, on a la nutrition, sciences infirmières, donc des domaines très, très populaires. Et comme vous voyez, ces grandes familles-là, en fait, elles font référence à notre test Cursus. Donc, Olivier, tu peux mettre le lien dans le chat. Le test Cursus, c'est un test, en fait, pour vous aider à découvrir les programmes d'études qui correspondent à vos intérêts. Donc, allez faire ce test. Si jamais vous ne savez pas tout à fait là, vers quoi aller là, à l'université. Donc, c'est un test qui est conçu pour vous. Je vous parle d'un deuxième outil qui est notre, en fait, un nouvel outil qui s'appelle Affinity. C'est en fait, en faisant ce test-là, vous allez, celle-là, en fait, ça vous permettra d'obtenir une liste de programmes d'études auxquels vous pourriez être admissible selon votre parcours. En fait, on va déterminer les programmes pour lesquels vous êtes 100%, pour lesquels ils sont 100% compatibles avec vos intérêts et votre parcours scolaire. Donc, on va regarder est-ce que vous avez les préalables, est-ce que vous avez le bon programme, sinon vers quel autre programme se tourner. Donc, je vous le recommande fortement, Affinity. Ensuite de ça, bon, on va parler du comparateur de programme. C'est quoi ça, le comparateur de programme? En fait, c'est si jamais on n'est pas certain, bon, on n'a peut-être pas tout à fait les bons résultats pour pouvoir rentrer dans un programme. On veut peut-être essayer de prendre un petit peu d'avance aussi, par exemple. Le comparateur de programme, vous pouvez mettre jusqu'à 3 programmes côte à côte. Et puis, cela va en fait permettre de faire ressortir les ressemblances et les différences. Donc, s'il y a des cours qui se retrouvent dans ces programmes communs-là, on va pouvoir les déterminer. Donc, petit truc si jamais vous voulez prendre un petit peu d'avance. Donc, je vous encourage aussi, lorsque vous allez entamer votre processus d'admission, c'est ça, pour le dépôt de votre demande d'admission, d'utiliser l'aide-mémoire parcours. En fait, l'aide-mémoire parcours, ça le dit, c'est un aide-mémoire, ça vous accompagne étape par étape avec une petite liste, par exemple, à cocher ou, étape par étape, là, qu'est-ce qui a été fait et tout ça. Donc, je vous le recommande.
Le parcours, c'est un outil qui est disponible, qui est disponible en français, mais également en anglais et en portugais. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a des questions relatives aux outils par hasard, Olivier? Sinon, On a une question. Ce n'est pas tant par rapport à un outil, c'est par rapport à notre implication dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est quand même un domaine qui distingue l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. C'est un programme qui est très reconnu à l'Université de Montréal. On a des sommités là, qui enseignent dans ces domaines-là. Par contre, je ne pourrais pas vous parler exactement du programme. Là, on est vraiment pour parler du processus d'admission en tant que tel. Donc, comment bien se préparer à déposer une demande d'admission au premier cycle? Alors, je vous invite à aller voir, aller visiter. Il y a un kiosque d'informatique. Donc, allez le visiter. N'hésitez pas, là, ils seront, vous allez retrouver toute l'information là, pour vous accompagner dans votre recherche finalement d'informations. Absolument. Parfait. Donc, on va continuer. Alors, on va tout de suite commencer avec la préparation du dossier de candidature. Donc, qu'est-ce que ça prend pour pouvoir être admissible au programme de premier cycle? Donc, à la base, ce que ça prend, c'est le DEC, le diplôme d'études collégiales ou l'équivalent. Par exemple, un étudiant qui a fait son bac français à Montréal, à Stanislas, par exemple, ou à Marie-France. Et puis, il est important aussi d'avoir réussi tous les préalables requis avant l'entrée dans le programme. Par exemple, pour le bac en mathématiques, on va vous demander d'avoir le DEC et les préalables, bon, je dis mathématiques, évidemment, avant le 15 septembre. Donc, vous avez jusqu'à l'été précédent l'entrée dans le programme pour réussir tous les préalables. Mais je le répète, les préalables doivent absolument être réussis avant l'entrée dans le programme. Et puis, il est important de satisfaire aussi aux conditions de la langue française. Donc, si vous avez fait votre DEC dans un cégep francophone et que vous avez passé l'épreuve ministérielle, c'est bon, vous répondez à la condition, vous n'avez rien à faire. Si, par exemple, vous avez étudié dans un cégep anglophone, vous allez devoir vous soumettre, fournir une preuve de connaissance du français. Dans ce cas-là, si vous avez suivi des études secondaires en français au complet, donc vous seriez éligible à une dispense du test de français. Donc, pour les autres enseignements, par rapport à l'exigence du français, vous pourriez aller voir sur le site du Centre de communication écrite de l'Université de Montréal. Mais encore une fois, je répète, si vous avez un DEC dans un collège ou dans un cégep francophone, puis vous avez passé l'épreuve ministérielle de français, tout est bon, vous n'avez rien à faire. Alors, passons aux explications suivantes. En fait, comprendre l'évaluation du dossier. Tout d'abord, il y a deux types d'évaluation, si on peut dire. C'est qu'il y a des programmes d'études à capacité d'accueil non limitée et à capacité d'accueil limitée. Donc, c'est ce qu'on appelle les programmes contingentés ou non contingentés. Donc, les programmes d'études non contingentés, c'est que si vous remplissez les conditions d'admissibilité puis que vous avez la cote minimale exigée, vous seriez admissible. Donc, ça, tout est bon. Pour avoir accès à cette fiche des statistiques d'admission, en fait, la COTA, je vous en parle dans la diapo suivante, vous pourriez aller voir sur la page dont je vous parlais au tout début. Alors, vous êtes futur étudiant et puis formé au Québec, vous avez accès à ce document-là. Donc, un document très, très, très populaire pour les étudiants collégiens. Donc, voilà, on parlait d'un programme d'accueil limité. Donc, c'est quoi un programme d'accueil limité? Pourquoi c'est contingenté? Pourquoi les places sont limitées? En fait, ça va être en raison de plusieurs. En fait, il y a plusieurs raisons. Ça peut être en raison de la popularité du programme, en raison de restrictions gouvernementales, par exemple. Ça peut être aussi des ressources et tout ça. Donc, c'est des programmes pour lesquels les places sont limitées. En fait, c'est ça. Dans le document que vous avez sur lequel, en fait, que vous voyez, pour lequel vous avez accès sur la page Formé au Québec, c'est qu'on va afficher la cotère du dernier candidat admis dans le programme. Donc, ce n'est pas la cotère que ça prend nécessairement, c'est la cotère du dernier admis. Donc, c'est vraiment
à titre indicatif, ça peut varier un petit peu d'une année à l'autre, mais généralement, là, ça se tient toujours pas mal autour de ça. Donc, et voilà. Donc, on va passer. Donc, pour les programmes... Véronique, avant qu'on change de sujet, on avait une question par rapport au préalable. Si quelqu'un, dans sa formation préuniversitaire, n'avait pas l'occasion de suivre tous les préalables exigés par un programme d'études, il existe des possibilités pour suivre les préalables par la suite? Exactement. Donc, dans le fond, la condition de base, c'est ça, c'est d'avoir le diplôme d'études collégiales. Il sera possible... de suivre vos cours préalables dans un cégep à distance ou en cours d'été, mais on a également le programme, si vous en manque plusieurs, par exemple, bon, trois cours et plus préalables, vous pourriez le faire dans notre programme qu'on appelle complément de formation. Ça, en fait, vous n'avez pas de structure spécifique, pardon, à suivre, c'est que vous suivez simplement les cours qui vous manquent, tout simplement. Donc, j'imagine que ça répond bien à la question. J'ai l'impression. Super. Donc, passons, on va continuer avec les tests et entrevues. Alors, il y a certains programmes qui exigent de faire des tests supplémentaires. Par exemple, pour les programmes de santé, bon, je parle les 5 doctorats de premier cycle, par exemple, il y a le test CASPER à passer. Le test CASPER, c'est un examen, un test qui se fait en ligne. Pour lequel vous devez vous inscrire vous-même. Donc, il est important pour le test CASPER de l'avoir passé avant la date limite du dépôt de votre demande d'admission. Donc, ça, les dates limites, on y vient plus tard avec Olivier. Donc, c'est pour les programmes en santé. Le TAED. Le TAED, c'est le test d'aptitude aux études dentaires. Donc, vous l'aurez deviné, c'est pour... les étudiants qui souhaitent déposer une demande d'admission pour le doctorat de premier cycle en médecine dentaire. Dans le fond, c'est encore une fois à vous de vous inscrire, au test. Et puis, voilà, donc c'est pour médecine dentaire. Alors, si je suis en fait les explications, c'est que pour médecine dentaire, vous allez devoir faire le test CASPER et le TAED. Ensuite, les MEM. Les MEM, c'est les mini-entrevues multiples pour le doctorat de médecine. Donc, c'est vraiment uniquement pour le doctorat de médecine. Vous n'avez pas à vous inscrire vous-même pour les MEM. Vous allez être automatiquement convoqué aux tests qui sont généralement fin avril, début mai. Et puis, donc, vous n'avez aucune inscription. Si vous êtes présélectionné, vous allez automatiquement être invité à les passer. Et ensuite de ça, bon, c'est sûr qu'il y a d'autres, il y a quelques autres tests, mais on a également pour traduction, vous allez avoir à passer un test de français et d'anglais aussi pour lesquels vous allez être convoqué. Évidemment, bon, par exemple, pour musique, là, il y a certains programmes qui vont exiger bon, certains tests musicaux, des auditions et tout ça. Mais général, c'est pas mal les tests pour lesquels vous allez devoir vous soumettre. Donc, si je vous donne un. Si jamais vous voulez faire, par exemple, une demande, je ne sais pas moi, au bac en philosophie, vous n'avez pas de test à faire. C'est simplement déposer une demande d'admission. Donc, si jamais vous avez des questions sur les tests, on a une page, qui énumère les différents tests. Vous pouvez aller voir sur le site de l'admission admission.umontréal.ca. Absolument. Je vais vous partager le lien dans un instant. On a quand même une ou deux questions, Véronique, qui pourraient être intéressantes d'aborder. Tout d'abord, quelqu'un nous demande s'il y a des entrevues ou des tests pour le baccalauréat en droit. À part le test de français, non, c'est ça, il n'y a rien pour le baccalauréat en droit. Sinon, on nous demandait également, pour compléter le dossier d'admission, si une lettre de recommandation pouvait être un atout pour entrer dans un programme d'études. Non, ce qui est regardé, je n'ai peut-être pas bien mentionné, c'est que La seule chose qui va être regardée dans l'évaluation de votre candidature, c'est vraiment uniquement votre dossier académique. Donc, on ne tient pas compte des lettres de recommandation. On va regarder vraiment juste votre cotard. Et puis, si vous avez fait, par exemple, les préalables, puis les tests selon, par exemple, CASPER, TAED ou MEM. Exact. Tout à fait. Sinon, quelqu'un qui voulait confirmer que le test CASPER, c'est bien pour les programmes de santé.
Effectivement, hein, au premier cycle, c'est les 5 doctorats de premier cycle et l'année préparatoire au doctorat en médecine qui demande le test Casper tout à fait. Exactement, c'est bien ça. Impeccable. Voilà, ça ressemble essentiellement à ça pour les questions à l'heure actuelle. Parfait, on va continuer. Je le répète encore une fois, malheureusement, on a juste 45 minutes, donc on ne pourra pas répondre à l'ensemble de vos questions, mais je vous donnerai les ressources ou aller chercher vos informations après. Donc, bon, on est déjà rendu au dépôt de la demande, alors je vais arrêter mon partage et puis je vais laisser Olivier poursuivre. Absolument, je vous partage mon écran à mon tour dans un instant, ce ne sera pas bien long. Donnez-moi juste un instant. Et voilà. Véronique, peux-tu me confirmer quand tu verras le... On le voit très bien. Oui, bah, c'est génial. Alors, donc oui, poursuivons avec le dépôt de la demande d'admission parce qu'effectivement, hein, on a beau être prêt, éventuellement, il faut passer à l'action pour entrer dans un programme d'études. La première action, c'est le dépôt de la demande d'admission pour nous signaler votre intérêt d'intégrer le programme d'études. Il faut faire attention, la demande d'admission, on ne peut pas la déposer n'importe quand. Il y a des dates limites à respecter, en fait, qui peuvent varier en fonction de votre situation. Tout d'abord, en fait, si vous n'avez que des études collégiales, donc des études faites au cégep au Québec, sans jamais avoir fait d'études universitaires ou hors Québec, à ce moment-là, la date limite pour tous nos programmes d'études pratiquement est la même, c'est le 1er mars. Donc, peu importe si vous faites application à un doctorat de premier cycle ou bien un baccalauréat majeur mineur, dans tous les cas, c'est le 1er mars, votre date limite. Par contre, si vous avez déjà été inscrit à l'université, ne serait-ce qu'à un cours éventuellement dans votre parcours, ou encore si vous avez fait des études à l'extérieur du Québec ou dans le reste du Canada ou dans le reste du monde, alors à ce moment, les dates vont varier. Donc, pour les doctorats de premier cycle, la date limite, ça devient le 15 novembre. Donc, pour entrer en automne 2021, c'est le 15 novembre 2020 qui arrive dans une semaine environ. Donc, si vous êtes dans cette situation, je vous invite à aller déposer votre demande d'admission rapidement. Sinon, s'il n'y a pas de doctorat de premier cycle dans votre demande d'admission, vous avez jusqu'au 1er février pour déposer votre demande d'admission. Alors ça, il y a une petite exception, en fait, ce sont les programmes de certificat offerts par la Faculté de l'éducation permanente. Pour eux, dans le fond, la date limite, c'est le 1er juin, donc un peu plus tard. Donc voilà, essentiellement pour les dates limites, il faut y faire très attention. Je vous invite à vous prendre un peu d'avance. Quand on est sur le jour de la date limite, souvent, c'est là que les problèmes techniques arrivent. Là, donc, mieux vaut se prendre un peu d'avance pour être certain. Par la suite, dans le fond, dans le cadre du dépôt de la demande d'admission, il y a quelques éléments à savoir. Tout d'abord, il faut déposer, on peut déposer un maximum d'une demande d'admission par trimestre, par cycle. Donc, en gros, si par exemple, vous déposez une demande d'admission pour l'automne 2021 au premier cycle, eh bien, vous ne pourrez pas redéposer une demande d'admission au premier cycle, toujours pour le trimestre d'automne 2021. Il faudra attendre le trimestre suivant, par exemple, hiver 2022. Par contre, pour l'automne 2021, vous pourriez également faire application à des programmes de cycle supérieur, par exemple, une maîtrise ou un doctorat. Donc, ça, c'est un premier élément important à savoir. Par la suite, dans le fond, au premier cycle, on a la possibilité de faire jusqu'à 3 choix de programme dans une demande d'admission. Sachez que ça n'influence pas les frais, hein, qu'on fasse un seul choix ou 3 choix. Les frais rattachés à la demande demeurent les mêmes, donc ça peut vraiment être un avantage d'insérer les 3 choix dans la demande d'admission, sauf si on ne demande que des micro-programmes, mais c'est vraiment une exception. Voilà. Mais ce qui est vraiment important, c'est de placer les choix en ordre hiérarchique de priorité. C'est-à-dire que le premier choix que vous indiquez, là, c'est vraiment votre plan A, le programme dans lequel vous souhaitez vous diriger. Par la suite, le deuxième choix à indiquer, c'est votre plan B, si on veut. Si jamais le premier programme, ça ne fonctionne pas, ben, dans quel programme vous aimeriez vous diriger à la place? Même chose pour le troisième choix qui sera un plan C. L'ordre hiérarchique est vraiment très important parce qu'on enverra une demande d'admission qu'à un seul de ces trois qu'à un seul de ces 3 programmes à chaque instance, si on veut. Ça peut varier, mais si, par exemple, on reçoit une admission à notre deuxième choix, à ce moment-là, les choix inférieurs, donc le troisième choix, va se fermer automatiquement, mais le premier choix demeurera à l'étude. Donc, je ne sais pas s'il y avait un lien que tu veux partager. Il y a une page là, qui explique bien là, chacun des scénarios qui peuvent se produire, mais en gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on place les choix de programmes par ordre de priorité.
Par la suite, dans le formulaire de demande d'admission, vous serez invité à déclarer toutes vos études postsecondaires, donc à partir du début de votre cégep, dans le fond, et jusqu'à la fin de votre parcours. On veut connaître vos occupations, donc les programmes d'études dans lesquels vous avez étudié, c'est les périodes pendant lesquelles vous avez interrompu vos études. Ce serait intéressant de le mentionner également. Tu me permets, Olivier, tant qu'à parler justement des études à déclarer, j'ai vu que certains étudiants, certaines personnes n'ont pas le DEC. Donc, qu'est-ce qu'elles doivent faire dans ce cas-là? Pour quel type de programme ils doivent déposer une demande d'admission? Puis, quelles sont les conditions de base? OK. Donc, quelqu'un, en fond, qui n'est pas en train de suivre une formation collégiale, c'est ça? Exactement. À ce moment-là, effectivement, c'est un cas de figure qui se présente. Je vous dirais que le programme le mieux destiné dans ce genre de contexte-là, c'est le programme d'année préparatoire. Donc, l'année préparatoire aux études universitaires, c'est un programme d'un an environ qui vous permet d'aller suivre suffisamment de cours pour avoir accès à la majorité de nos programmes de premier cycle réguliers. Faut noter qu'il y a des exceptions quand même, c'est pas 100% des programmes, mais la grande majorité d'entre eux seront accessibles suite à cette formation-là. Dans le fond, si vous avez obtenu votre diplôme d'études secondaires au Québec, vous êtes admissible à l'année préparatoire lorsque ça fait au moins 4 ans que vous avez obtenu votre diplôme d'études secondaires. Autrement, si vous avez obtenu votre diplôme d'études secondaires ailleurs dans le Canada ou dans le monde, vous pourrez directement vous diriger vers ce programme si votre diplôme préuniversitaire n'est pas considéré comme un équivalent du DEC. Il faut toujours vérifier ça parce que si votre diplôme préuniversitaire est équivalent au DEC, à ce moment-là, vous ne serez pas admissible à l'année préparatoire parce que vous aurez déjà atteint l'objectif du programme qui est d'obtenir environ l'équivalent d'un DEC. Exact. Donc, je confirme, dans le fond, pour les étudiants québécois qui n'ont pas fait de DEC, donc vous devez passer par l'année préparatoire et la condition est d'avoir le diplôme d'études secondaires depuis au moins 4 ans. Exactement. Donc, j'ai une autre petite question. Est-ce que je suis obligée de faire 3 choix de programme dans ma demande d'admission? Il n'y a rien qui l'oblige. Donc, ce n'est pas une obligation. Je vous dirais que c'est une suggestion. Je vous suggère de le faire, de prévoir. Et puis, il y a moyen d'être stratégique, si on veut, dans ces choix de programme. Disons que vous êtes intéressé par un programme d'études qui est particulièrement contingenté. Donc, la capacité d'accueil est assez limitée. Vous avez regardé la cotère du dernier admis, puis elle est proche de la vôtre, si on veut. Donc, il y a des chances que ça fonctionne, mais malheureusement, on ne veut pas y penser, mais ça pourrait arriver que vous fassiez face à un refus. À ce moment-là, ça pourrait être intéressant de prévoir un deuxième ou un troisième choix dans lequel, là, vous êtes pas mal sûr. Si vous regardez la cotère du dernier admis, vous êtes pas mal au-dessus, donc vous êtes assez confiant de vous garder comme un plan de secours qui vous assure de pouvoir débuter des études universitaires à votre trimestre d'intérêt, même si vous n'arrivez pas à entrer à votre premier choix, si on veut. Donc, c'est dans ce contexte-là que ça peut être intéressant. Donc, je le suggère, mais c'est effectivement pas obligatoire. Donc, est-ce qu'on avait d'autres questions, Véronique? Oui, on va y répondre juste après, par contre. Je te laisse poursuivre. Bon, ben, ça marche. Allons-y ensuite avec les prochaines étapes. Mais dans le formulaire de demande d'admission, vous verrez, là, vous serez appelé à payer les frais d'admission qui s'élèvent à 105,50 $. Dans le fond, c'est le paiement des frais d'admission qui entraîne la soumission de votre demande d'admission. Donc, assurez-vous d'avoir réalisé le paiement pour qu'on reçoive votre demande d'admission et que votre processus d'admission s'enclenche. Et puis, c'est cette étape-là, le paiement qui doit être fait au plus tard à la date limite, puisque c'est ça qui va soumettre la demande. Par la suite, environ 48 à 72 heures suivant le dépôt de votre demande d'admission, vous recevrez des identifiants qui vous permettront de vous connecter à notre centre étudiant. De là, dans le fond, vous serez appelé à nous transmettre différents documents. Je vous préviens, parfois quand on étudie dans un cégep francophone, qu'on sort du cégep, qu'on rentre directement à l'université, des fois, il y a peu, voire pas de documents qui sont demandés. Donc, j'invite à rester vigilant. Vous verrez, ça va être écrit, vous n'avez aucune tâche à votre dossier, si jamais c'est le cas. Par contre, restez vigilant, il peut toujours y avoir des documents qui sont ajoutés à travers le processus d'admission. Et puis, voilà, si vous avez des documents, bien, on vous invite à nous les transmettre. Essentiellement, on vous demande de nous fournir les relevés de vos notes obtenues dans tout votre parcours académique postsecondaire. Et puis, voilà, des attestations officielles, si jamais ces relevés ne sont pas disponibles. Sachez par contre que les notes obtenues au cégep nous sont transmises directement par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas de relevé de notes à nous transmettre dans ce cas de figure. Finalement,
tout au long là, de la soumission de votre demande d'admission, vous avez toutes sortes d'aides qui sont disponibles. Notamment, on a la page avec toutes sortes d'aides et astuces qui contient la vidéo qui est illustrée ici. Cette vidéo contient absolument tous les petits accros qui pourraient survenir dans le formulaire d'admission. Ils sont couverts dans la vidéo. Donc, je vous invite à la consulter si jamais vous rencontrez des difficultés. Sinon, vous remarquerez dans le formulaire d'admission, il y a une petite pastille qui vous permet de clavarder en direct avec nous pendant nos heures d'ouverture, là, du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30. Donc, nous, on va être là pour répondre à vos questions dans le formulaire si vous avez des petites questions comme ça. Sinon, on aura également un atelier qui aura lieu un atelier d'accompagnement pour remplir la demande d'admission. Donc, pour les candidats internationaux, ça se tiendra le 19 novembre prochain. Et puis, pour les Québécois, ce sera le 26 novembre prochain. Un atelier qui vous accompagne dans la soumission de votre demande d'admission. Donc, voilà essentiellement les outils qui vous sont disponibles. Par la suite, après la demande, comme je vous l'ai dit, on va vous demander de nous fournir vos documents pour compléter votre dossier. Et puis, une fois que c'est fait, l'évaluation de votre candidature commence. Il faut garder en tête ça prend du temps. Malheureusement, on ne revient pas là-dedans. Dans les jours suivant le dépôt de la demande avec une réponse, il faut avoir conscience qu'on reçoit des milliers de demandes d'admission là, chaque trimestre. Chaque dossier sont évalués individuellement. Donc, ça entraîne des frais. Ça entraîne des délais, je m'excuse. Et puis, voilà. C'est ça. Il faut juste garder en tête, là, dans le fond, la majorité de nos réponses pour le trimestre d'automne sont envoyées entre la mi-mars et la fin mai. Donc, c'est dans cette période-là que vous avez le plus de chances de recevoir votre réponse. Ça pourrait être un peu avant ou un peu après. En général, c'est dans cette période-là que vous devriez la recevoir. Ensuite, super. Olivier, j'aurais juste une petite question. Peut-on déposer une demande dans plus d'universités à l'automne 2021? Absolument, oui. Rien ne vous en empêche, effectivement. Éventuellement, là, surtout si vous vous dirigez vers des programmes de grade, donc des programmes de baccalauréat ou de doctorat de premier cycle, éventuellement, on va vous demander de faire un choix entre les deux universités pour déterminer vers laquelle vous vous dirigerez. Honnêtement, ça sort un peu de mon champ d'expertise, mais en tout cas, pour le dépôt de la demande d'admission, ça, c'est certain. Vous pouvez le faire absolument. Exactement. Si je peux préciser, pour les études universitaires, ça ne fonctionne pas quand on faisait une demande d'admission au Cégep. Vous faites les demandes d'admission dans chacune des universités que vous voulez. Et puis, je le répète, à l'UDM, c'est jusqu'à 3 choix à mettre en ordre de programme. Donc, peu importe quels sont vos choix, qu'ils soient contingentés ou non, l'important, c'est de les mettre en ordre de priorité. Voilà. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. Justement, on revient un peu ici là, avec le point suivant sur l'ordre de priorité. Sachez que si vous recevez, par exemple, vous avez choisi un deuxième choix, un plan de secours, si on veut, et que vous recevez une admission à ce programme-là, mais vous êtes toujours en attente d'une réponse pour votre premier choix, je vous invite fortement à accepter cette offre d'admission. Sachez que ça n'aura aucun impact sur l'évaluation de votre candidature pour les choix supérieurs. Il y a un certain délai qui est environ 10 jours ouvrables pour accepter l'offre d'admission. Donc, dans le fond, on vous propose une offre, mais on attend d'avoir une rétroaction de votre part pour confirmer que cette offre vous intéresse, dans le fond. Donc, c'est pour ça que c'est important de nous revenir. Par la suite, vous verrez, parfois, on envoie des admissions définitives, si on veut. Dans d'autres circonstances, on envoie des admissions qui sont conditionnelles. Donc, par exemple, si vous êtes présentement en train de finir votre cégep, ça se peut que vous receviez une admission. Donc, on vous dit, oui, vous avez la place au programme. Par contre, pour entrer dans ce programme-là, il vous faut un diplôme d'études collégiales. Donc, à ce moment-là, on va vous mettre la condition d'obtenir votre diplôme d'études collégiales avant l'entrée au programme, au plus tard le 15 septembre. Même chose pour la réussite des cours préalables et l'exigence du français. Donc, pour y avoir des conditions, c'est important d'en prendre connaissance sur l'offre d'admission. Sinon, sans recevoir une admission, il y a également la possibilité d'être inscrit en liste d'attente. C'est vraiment une décision de l'agent d'admission d'être inscrit en liste d'attente. On ne peut pas en faire la requête volontairement. Donc, c'est vraiment une décision rendue par l'agent. Un petit élément à savoir, c'est que quand on a un rang, par exemple, moi, je suis la 13e personne sur 24 en liste d'attente, je vais toujours rester 13e. Mon rang ne va pas évoluer, mais on va être en mesure de connaître le rang du dernier admis. Donc, par exemple, que la 3e personne en liste d'attente va avoir droit à une place au programme. C'est disponible à partir du 15 juin et c'est mis à jour à chaque semaine. Par la suite, on a également les choix subséquents. Donc, si jamais vous faites face à un refus dans tous vos choix de programme,
Nous, on est convaincus qu'une place, il y a une place pour vous à l'Université de Montréal. C'est pourquoi on vous offre la possibilité d'ajouter gratuitement un choix de programme à votre demande d'admission dans l'espoir de pouvoir être admis dans ce programme éventuellement. Donc, c'est une possibilité là, à laquelle on a accès. Sinon, dans le fond, si vous êtes admis éventuellement, il faudra procéder à l'inscription de vos cours. Toutes les informations en lien avec l'inscription au cours sont partagées dans la séance d'accueil qui sont offertes par les différents départements. Exact. Donc, je reviendrai sur la demande d'admission. Donc, j'ai quelqu'un qui me demande, je suis déjà à l'UDM, donc je veux changer de programme. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? C'est une excellente question, effectivement. Donc, à ce moment-là, vous verrez, pour accéder au formulaire d'admission, on peut soit se créer un compte ou utiliser notre code d'accès et notre UNIP. Si c'est pour un changement de programme, ça va être important de se connecter avec son code d'accès et son UNIP. Et ensuite, le formulaire d'admission est pratiquement identique du début à la fin, à une exception près, c'est au début du formulaire. Quand vous allez choisir votre nouveau programme d'études, on va vous demander ce que vous souhaitez faire avec votre programme actuel. Donc, on va vous demander, est-ce que vous souhaitez terminer votre programme actuel? Il faudra répondre oui ou non. Si vous répondez non, votre demande va être considérée comme un changement de programme. C'est-à-dire que si vous êtes admis dans votre nouveau programme d'études, vous allez quitter votre ancien programme. Il faut savoir que cette transaction-là ne se fait pas en live. Là. Ça va être au trimestre concerné. Donc, vous allez pouvoir terminer vos cours là, du trimestre actuel si jamais vous recevez la réponse et tout. Mais rendu, par exemple, à l'automne 2021, là, vous allez quitter votre ancien programme pour intégrer votre nouveau si vous avez droit à une admission. Si jamais vous faites face à un refus, malheureusement, eh bien, vous allez simplement conserver votre place dans votre ancien programme. Génial, parfait. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? On va passer à la suivante. Oui, donc moi, je voulais vous parler aussi de notre nouveau compte Instagram, umontréal.futurétudiant. Allez-y, là, toute la journée, ils sont présents pour répondre à vos questions. Dans le fond, c'est des étudiants actuels de l'Université de Montréal qui vous partagent aussi leur parcours. Donc, allez-y. Futur étudiant, donc @futuretudiant.umontréal, @umontréal.futuretudiant. Alors, n'hésitez pas à aller joindre ce compte-là. Donc, on peut passer à la suivante. Merci. Je voulais vous dire également que les portes ouvertes se poursuivent jusqu'au début du mois de décembre. Donc, vous allez pouvoir revoir tous les kiosques, donc revisiter les kiosques d'information pour aller rechercher toute l'information dont vous aviez besoin. Donc, pas de problème, vous pouvez retourner tout au long du mois de novembre jusqu'au 5 décembre. On va avoir aussi des rendez-vous sur les programmes d'études. Donc, à chaque mardi et mercredi, plusieurs programmes vont être présents, en fait, des représentants pour répondre à vos questions sur des programmes spécifiques. Et puis, les jeudis sont dédiés au service. Donc, on va avoir des échanges avec une personne du CEPSUM, du Carabin, du Bureau des étudiants internationaux, de l'aide financière, puis du service d'orientation. Donc, je vous invite fortement à y venir. Alors, les portes ouvertes se poursuivent jusqu'au 5 décembre. Je vous ai mis les liens, en fait, dans notre chat. Donc, allez, n'hésitez pas à aller visiter les liens que je vous ai partagés. Donc, on a encore un petit peu de temps. On a encore 5 minutes pour essayer de répondre à des questions. Oui! Si jamais vous avez d'autres questions suite à notre présentation, n'hésitez pas à aller voir les différents kiosques. La mission est présente pour répondre à vos questions toute la journée par clavardage. Retournez voir les différents kiosques. Et sur le site admission.umontréal.ca, on a également une foire aux questions qui est mise à votre disposition qui répond à toutes sortes, à un éventail de questions. Dans le fond, vous y trouverez assurément réponse à vos questions. Je voulais juste, revenir sur quelques questions qui nous ont été posées. Oui. On me demandait, donne-moi un instant. Donc, désolée, j'y arrive. Quand est-ce que les réponses sortent? Est-ce qu'on reçoit les réponses à nos 3 choix de programme en même temps? Ah, c'est une excellente question, ça. En fait, là, l'évaluation de votre candidature pour vos 3 choix de programme va être faite complètement de façon indépendante. Donc, vous pouvez recevoir d'abord une réponse à votre 3e choix, ensuite 1er choix. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. On n'attend pas d'avoir rendu la réponse au 1er choix pour commencer à évaluer les choix inférieurs. Puis, une admission à un choix inférieur
ne nous informe absolument sur rien par rapport à notre intérieur. On ne peut pas tirer de conclusion. Là. Si j'ai admis à mon troisième choix, il n'y a rien à lire entre les lignes. Là. L'évaluation se poursuit pour vos choix supérieurs. Et puis, heureusement, vous avez accès à une place dans un de vos choix de programme. Exactement. Donc, on me demande aussi, est-ce qu'on peut déjà déposer une demande pour l'automne? Oui, c'est disponible depuis la mi-août. Donc, vous avez soit jusqu'au 15 novembre, si vous avez déjà étudié dans une université pour les 5 doctorats de premier cycle. Si vous êtes typiquement, vous avez fait que des études au collégial, vous avez jusqu'au 1er mars pour déposer votre demande d'admission. Tout à fait. Donc, je suis désolée si on a pu répondre à toutes vos questions. Malheureusement, le temps s'écoule. Donc, qu'est-ce qui arrive si je reçois une réponse à mon troisième choix en premier? Ah ben à ce moment-là, moi, je vous conseille d'accepter votre troisième choix de programme et par la suite, attendre pour voir ce qui va se produire pour les choix supérieurs. Si jamais votre troisième choix devient finalement votre préféré, vous pouvez également vous désister de vos choix supérieurs. Des fois, nos idées changent en cours de route, donc vous pouvez vous désister de vos choix supérieurs si jamais. Sinon, ben, vous le gardez en plan de secours en attendant de voir ce qui va se passer pour les choix supérieurs. Exactement. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à venir nous voir. L'admission est disponible par clavardage toute la journée sur la page des portes ouvertes de l'Université de Montréal. Voilà, c'est ce qui conclut notre conférence. Je vous remercie. Merci, Olivier, d'avoir été présent. Merci d'avoir posé vos questions. Encore une fois, je vous répète que les portes ouvertes se poursuivent jusqu'au 5 décembre. Donc, revenez nous voir. Et puis, voilà. Donc, merci tout le monde. On se revoit à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne porte ouverte tout le monde.